Bonjour, c'est Moma. Alors, fameux damnés de Charles Baudelaire, des Fleurs du Mal. Poésie. Fameux damnés. Alors, c'est un rapport avec la prostitution. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers. Et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes que répriment de longues confidences dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux vont épelant l'amour des craintives enfances et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves à travers les rochers pleins d'apparitions où saint Antoine a vu surgir comme des laves les seins nus et pourprés de ses tentations. Il en est aux lueurs des résines croulantes qui, dans le creux muet des vieux antres païens, tant appellent au secours de leur fièvre hurlante, ô Bacchus, endormeur des remords anciens. Et d'autres dont la gorge aime les scapulaires, qui, recelant un fouet sur leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires l'écume du plaisir aux larmes des tourments. Ô vierge, ô démon, ô monstre, ô martyr, de la réalité grand esprit contempleur, chercheuse d'infini, dévote et satire, tantôt pleine de cris, tantôt pleine de pleurs, vous que dans votre enfer mon âme a poursuivi, pauvre sœur, je vous aime autant que je vous plains, pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Et tout ça,